Maître Carlos Hercule, qui t'a répondu une question journaliste sous commémoration 28e anniversaire renversement dictature du Valier, déclaré 7 février 86 symboliser une journée historique dans combat pour démocratie peuple haïtien temenin, une manière pour déraciner dictature et puis divorcer avec tout pouvoir qui t'a voulu remettre pratique gros poignette dans pays. Concernant ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince là, Maître Francisco René qui t'a demandé pardon pour mauvais comportement il t'ai gagné, Batonier a annoncé membre conseil l'ordre avocat capital là pral analyser dans une rencontre l'être ancien chef paquet a pour balion réponse sous possibilité pour ta recommencer exercer profession avocat. Maître Carlos Hercule. Pas gagné aucune place pour aucun dictateur en Haïti et nous fait plusieurs expériences après 7 février pas jamais capable gagner un régime dictatorial qui rété. Nous pas besoin citer nous connaissons le régime militaire yo depuis gagner des velléités dictatoriales cap exprimer peuple à li manifester avec monsieur Aristide pendant les deux périodes c'était la même chose depuis un gouvernement vini pour faire moun peur l'obliger à aller ouais c'est ça faut monsieur Préval fait deux mandats parce que nous estimer li pas jamais faire moun peur vraiment de pour faire moun peur ou pour aller donc moi crois que à ce niveau c'est un changement réel capital même si c'est pas total et j'aimerais te dire déjà monsieur Francisco René li écrit bâtonnier de Port-au-Prince-Lan. Bâtonnier de Port-au-Prince-Lan recevra autorisation de conseil de l'ordre pour lui répondre avec M. Francisco René. Et donc, il aura une réponse. La Fédération des barreaux d'Haïti n'a pas réuni le week-end prochain. Et le week-end prochain, excuse que M. René Francisco fait public là, la pral devant la Fédération des barreaux. Et c'est la Fédération qui pral dit quelle attitude adopter par rapport à ces excuses publiques qu'il a eu à faire à travers les médias.